Allez, le séisme qui s'est produit dans le sud-est de la France. Jérôme Vergne, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chercheur sismologue à l'Institut physique du globe de Strasbourg. Chantal est aussi avec nous. Bonjour Chantal. Bonjour. Vous êtes à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Vous l'avez ressenti, hein, ce séisme? Tout à fait, vers 21h30 hein, environ. Deux petites secousses très, très rapprochées, mais très fortes. Vous avez eu peur? Oui, très peur. J'ai appelé les pompiers. J'ai eu mon canapé qui s'est mis à bouger comme un berceau d'enfant. Et ma télé s'est mise à bouger dans tous les sens. J'ai dû me lever pour la tenir et ça a recommencé une deuxième fois. Donc j'ai appelé les pompiers, on m'a demandé s'il était blessé, ils m'ont raccroché de suite. Mais c'est vrai que pendant quelques heures, j'ai été très mal. J'avais peur que ça recommence, oui. Merci Chantal pour ce témoignage. D'autres témoignages évidemment sur l'antenne d'RMC, 3216rmc.fr. Jérôme Vergne, séisme de magnitude 5,19 je crois, sur l'échelle de Richter. Alors on n'est pas aussi précis que ça. Hein. Bon. On a une estimation actuelle qui est entre 5 et 5,3. Bon. Voilà, donc c'est quand même un séisme majeur pour le territoire français. Majeur, c'est-à-dire ? Majeur, c'est-à-dire que ce type d'événement dont la magnitude est autour ou dépasse 5 se produit en moyenne, on va dire, tous les 5 à 10 ans sur le territoire métropolitain. Et dans les Alpes, on estime que ce type d'événement a une période de retour de 20 à 30 ans. Donc voilà, donc c'est pas exceptionnel, mais c'est un séisme relativement fort pour notre territoire. L'épicentre du séisme, je crois, à la limite des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Hein. Voilà, alors l'épicentre, la localisation qu'on a actuellement est entre 5 et 10 km au nord de Barcelonnette, donc dans la vallée du Bail. C'est un endroit que nous, sismologues, on connaît bien parce qu'il y a eu une activité sismique régulière, intense, on va dire, dans cette région-là. C'est la région la plus active des Alpes. Donc quelque part, on n'est pas surpris de l'occurrence de séisme. On est un peu surpris par sa magnitude qui est relativement élevée. Relativement élevé, c'est pour ça qu'il a été tant ressenti. Exactement, on est bien, oui. On est bien d'accord. On recense en France 2500 séismes par an, c'est vrai ? Oui, c'est à peu près le nombre de séismes qu'on localise, nous, à l'École Observatoire des Sciences de la Terre, à Strasbourg, hein, grâce à l'ensemble des stations sismologiques qui sont sur notre territoire. Mais sur ces 2500 en moyenne séismes localisés par an, il n'y en a, on va dire, qu'une petite dizaine ou une petite vingtaine qui sont ressentis par la population. C'est-à-dire la magnitude est suffisante et la localisation est positionnée de telle sorte qu'ils peuvent générer des ressentis. La profondeur de l'épicentre est estimée à 5 km sous terre, vous confirmez ? Alors, la profondeur est la chose qui est la plus difficile à estimer pour un séisme, parce qu'il faut des appareils, des sismomètres très proches de l'épicentre. Alors là, on en a un relativement proche. En tout cas, du fait de ce qu'on connaît des séismes dans la région, c'est une profondeur tout à fait plausible pour ce type d'événement et qui correspond bien aux différents témoignages qu'on a eus, notamment aux témoignages sonores qui indiquent sans doute un séisme relativement peu profond. Relativement peu profond, ce qui explique qu'il soit plus fort, si je puis dire, que les autres. Ça peut expliquer qu'il soit un peu plus ressenti à proximité de l'épicentre, c'est-à-dire dans les villages aux alentours de Barcelonnette et dans la vallée de l'Ubaye. Après, le fait qu'il soit ressenti relativement loin, on a des témoignages jusqu'à Marseille, jusqu'à Lyon, est directement relié à la magnitude, c'est-à-dire à l'énergie qui est libérée par séisme. Qu'il ait été à 5 ou 15 km de profondeur, il aurait été ressenti dans les villes que je vous ai citées. Est-ce qu'il y a un risque de vivre un séisme de plus forte amplitude ou de plus forte magnitude ? Alors, oui, c'est pas un risque à exclure. Quand on revient un peu plus loin dans le passé de l'histoire sismologique du territoire français, on sait par exemple qu'en 1909, un petit peu plus au sud-ouest, hein, dans la ville de Lambesque, au nord de Marseille, on a eu un séisme dont on estime que la magnitude a dépassé la magnitude 6. Ce séisme avait occasionné de nombreux dégâts, avait fait plus de 80 morts. Donc c'est le type de séisme que là je qualifierais d'exceptionnel qu'on a, on va dire, en moyenne tous les 100 à 200 ans sur le territoire métropolitain. Donc on vit dans un pays avec un risque sismique réel qui n'est pas le risque sismique du Japon ou de la Californie, mais qui existe. Merci Jérôme Vergne. De rien. Merci pour toutes ces précisions.